Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des choses incroyables qu'on ne trouve seulement qu'au Japon. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Je vous mets au défi d'atteindre les 100 likes avant minuit. N'hésitez pas à liker 100 likes avant minuit, je compte sur vous. Let's go. Ce n'est pas un secret, le Japon est le pays développé le plus intrigant pour les occidentaux. Ses fantaisies et ses extravagances font de la nation nippone l'une des civilisations les plus surprenantes du monde, entre ses traditions et son rapprochement au mode de vie occidental. Découvrez ces nombreuses choses qui vous montrent bien que le Japon est un pays à part et qu'il faut aller vite le visiter si ce n'est pas encore fait. Les Kundel Café, c'est-à-dire les cafés câlins. Vous avez envie d'un café avec un câlin en prime. Oubliez le café, mais pas de souci pour le câlin. Ces nouvelles boutiques appelées également Sleep Together Shop ou Co-Sleeping Speciality Shop, que l'on peut grossièrement traduire par boutique pour dormir ensemble, sont apparues en 2012 au Japon. Elles proposent à leurs clients l'opportunité de se reposer dans un lit avec une belle inconnue, évidemment employée par la boutique, pour la somme de 3000 yens les 20 minutes, soit un peu plus de 22 euros. L'adoption d'adultes. Au Japon, une étude a montré en 2011 que plus de 90% des adoptions concernaient des hommes de 20 à 30 ans. Un phénomène que l'on doit seulement à des raisons de business. En effet, lorsqu'il s'agit d'affaires familiales, les adultes en manque d'un héritier mâle naturel pour reprendre le business ont la possibilité d'adopter un jeune homme dont la force de l'âge, prêt à reprendre le flambeau. La plus vieille compagnie au monde se trouve là-bas. Si les États-Unis sont les pays berceaux du capitalisme, c'est bien au Japon qu'on retrouve l'entreprise la plus vieille au monde. The Kongo Gumi Connection Limited est une compagnie de construction qui a vu le jour en 578 après Jésus-Christ. Spécialisée dans la construction de temples bouddhistes, la compagnie a déposé le bilan en 2006 et a été rachetée par Takamatsu Corporation après avoir été indirectement touchée par la crise immobilière dans les années 1980. Votre patron vous encourage à dormir au boulot. Si le Japon est l'un des pays où le rythme de travail est le plus épuisant, le bon sens veut que s'endormir au travail soit plutôt bien vu. Sérieusement, un employé qui se tape une sieste durant ses heures de travail prouve tout simplement que vous avez bien bossé jusqu'à l'épuisement. Au contraire, un employé qui ne dort pas au travail peut être vu comme un flemmard invétéré. Des distributeurs pour tout et n'importe quoi, homards et sous-vêtements. Si vous allez au Japon, ne vous étonnez pas de voir des distributeurs automatiques à tous les coins de rue. Et ce, pour tout et n'importe quoi. À côté des traditionnels distributeurs pour boissons ou pour snacks, vous pourrez trouver d'autres produits beaucoup plus inédits, comme des homards, des sous-vêtements féminins, neufs ou usagés, oui j'ai bien dit usagés, des bières, des couches jetables, des œufs, des cartes SIM, de tout, 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 tout. On vous dit tout. Les Kit Kat de différentes saveurs. S'il y a une gourmandise qui fait fureur au Japon, ce sont bien les Kit Kat. Ces barres chocolatées vouées à nous faire prendre une pause dans la journée ont tellement la cote au Japon qu'ils existent dans de multiples saveurs. En effet, vous trouverez des Kit Kat au wasabi, au thé vert, au cheesecake, au rhum raisin et même des Kit Kat à cuire. Versez un pourboire et offensant. Contrairement en Europe et en Amérique du Nord, au Japon, il n'est jamais bien vu de verser un pourboire au serveur. Ce qu'on considère comme de la simple reconnaissance envers un service bien fait est considéré au Japon comme une offense. Voilà de quoi relancer le débat des réservoirs Dog de Tarantino au sujet du pourboire. Garder sa place au cimetière est impossible. Au Japon, il est pratiquement impossible de conserver sa place au cimetière pour longtemps. En effet, l'espace vaut tellement cher dans ce pays à la population très dense qu'une fois 6 pieds sous terre, on ne vous laissera même pas le temps de vous décomposer. Difficile de dire non. Au Japon, ne vous fiez pas à la politesse sans limite des Nippons. En effet, pour les Japonais, il est tout simplement presque inconcevable de dire non à quelqu'un. Tellement difficile qu'ils usent de tous les moyens, courtois évidemment, pour vous refuser quelque chose. Mais jamais en disant non. La plupart du temps, ils misent même sur l'ignorance. Pas très poli tout ça. Des Japonais sont payés pour entasser les gens dans les trains. Au Japon, le service ferroviaire est l'un des plus efficaces du monde. Et pour cause, des personnes sont tout simplement employées pour entasser efficacement les gens dans les trains, afin d'éviter les retards et les décalages sur les lignes de métro. Et ça marche car ces pushers permettent aux trains japonais d'être les plus ponctuels du monde.
on peut payer des invités pour des mariages. Pour les mariages, il faut souvent prévoir un sacré budget. Du traiteur au DJ, en passant par le photographe, tout doit être bien organisé pour les invités. Au Japon, il est également possible de payer des invités pour son mariage, histoire de faire le nombre. Ainsi, certains ont pour profession d'être des invités de mariage, payés pour bien manger et faire la fête. Incroyable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et je compte sur vous pour atteindre les 100 likes avant minuit. Je vous fais confiance, je vous mets au défi. Ne me décevez pas. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à me mettre dans les commentaires si vous êtes déjà allé au Japon, si vous rêvez d'y aller et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces choses incroyables qu'on ne trouve qu'au Japon. Sur ce, je vous dis à la prochaine.